Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Pace. On est actuellement avec Michael, on se retrouve pour un test. Ça fait 2 semaines, j'ai pas fait de vidéo. Je sais pas si ça vous a manqué ou non. De manière, vous me répondez dans l'espace commentaire. On n'est pas là pour discuter de cela. Donc aujourd'hui, on va faire un test qui va sûrement être le test le plus long et le plus chiant que je vais réaliser pour vous. Mais j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à me rejoindre sur ma chaîne secondaire où je fais que du Fortnite dessus, le mode solo et du Battle Royale. Donc voilà, toutes les informations sont dans la description. Le test d'aujourd'hui va être de faire le tour de la carte de Los Santos à la nage. Je ne parle pas de le faire à pied en courant, je parle bien de le faire à la nage. Je voulais le faire avec Flash pour voir combien de temps Flash mettait pour faire le tour de la carte. Sauf que malheureusement je n'ai pas réussi à installer le mode de Flash correctement, il ne fonctionne pas. Du coup on va se le faire à la nage parce que à pied tout le monde le connaît. Donc du coup on est parti pour le faire à la nage, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vais mettre un chronomètre sur la vidéo, mais je vais aussi me mettre un chronomètre sur mon téléphone. Comme ça au moins on sera fixé de combien de temps j'aurai mis. Je pars de la fête foraine pour revenir bien évidemment à la fête foraine, vous l'aurez bien évidemment compris. Et bah écoutez, on est parti, je vais sûrement faire des coupures parce que ça risque d'être extrêmement long comme je vous l'ai dit. Et dites-moi à peu près à votre avis combien de temps ça va durer. Donc c'est parti, j'ai lancé le chronomètre, on saute à la flotte. On va se mettre à invincible sinon on risque d'avoir quelques petits problèmes avec les poiscailles. Invincibilité, hop là. Alors, je vais monter à la surface, je vais lancer le chronomètre. Je vais lancer le chronomètre dans 3, 2, 1, let's go! Alors c'est parti! Ça va être long, ça risque d'être extrêmement long. Mais voilà, estimez un petit peu près dans l'espace commentaire à votre avis combien de temps je vais mettre pour pouvoir faire le tour de la carte. Sachant que la vidéo ne va pas durer le temps officiel que je vais mettre à réellement faire le tour de la carte à la nage. Puisque de le faire à la nage, à mon avis, ça va prendre plus de 25 minutes. Voire presque 30 minutes si je dis pas de bêtises, puisque je l'ai jamais fait, mais c'est mon avis. C'est mon avis, ça risque d'être extrêmement long. Et au moins, bah, on verra le paysage de Los Santos vu de la mer. Si vous avez des idées, à votre avis, en combien de temps on pourrait... Enfin, en quel animal, ou quel humain, ou en quel véhicule on pourrait mettre pour... Bah, vous voulez que je fasse ce genre de vidéo, faire le tour de la map avec quel genre d'animaux, de véhicules. Ça peut être des modes, un animal, un personnage, Tracy, Jimmy, je pourrais faire une course. Par contre, les courses, ça risque d'être un peu compliqué parce que je peux pas les paramétrer pour qu'ils aillent à plusieurs checkpoints en même temps. Donc, à mon avis, je pense que ça risque d'être impossible. Mais on va voir s'il y a moyen. Mais plutôt le faire moi-même de mon côté avec certains véhicules, un vélo, à pied ou en courant, je pense que c'est déjà trop fait. Ça fait 10 minutes qu'on a déjà commencé ce fameux chronomètre. Et j'ai parcouru seulement ça. En 10 minutes à la nage, j'ai parcouru seulement cette distance. Ça fait vraiment beaucoup en termes de temps et ça fait pas beaucoup en termes de distance. Regardez tout ce qu'il me reste encore à faire. Oh, mais on va y passer des heures. À mon avis, il va falloir plus d'une heure pour pouvoir faire tout le tour de la map. Regardez-moi sa taille. Ah, mon pouce s'en souvient, mon pouce a mal. Oh, il y a une orque. Oh, il y a des orques. Salut les boys! Salut! Salut, ça farte! Ah oui, des orques, c'est trop stylé, vous pouvez pas m'emmener là? Je m'en fous si les poissons me tirent, ça compte, hein. Ah oui, moi je vous le dis, si les poissons me tirent, ça compte. Ah, salut! Elle a voulu me manger. L'orque a voulu me bouffer. Sauf que malheureusement, je suis invincible, donc ça marche pas. Hein, je t'ai baisé, hein. je t'ai niqué, ça fonctionne pas. Ça fait donc 20 minutes que je suis actuellement en train de nager. Je vous rappelle qu'on était parti de la fête foraine. Je suis à peine à la base militaire en 20 petites minutes. Donc 30 minutes à partir de maintenant que je suis actuellement en train de nager. Je vous rappelle que je suis parti de la fête foraine de Los Santos qui est extrêmement loin. Et j'en suis arrivé à limite à Paleto Bay, c'est-à-dire là où il y a le petit mont Chiliad. C'est-à-dire qu'on a... entre guillemets, fait un petit peu moins de la moitié de la carte en 30 minutes. Ce qui est plus ou moins lamentable. Mon doigt a très très mal, mon doigt souffre. J'ai pas eu encore de crampes, peut-être que ça va venir par la suite. Si j'ai des crampes, vous pouvez être sûr que vous serez les premiers au courant. Il y a eu aussi un bug tout à l'heure, c'est que je suis mort.
Vous l'avez vu, puisque pour vous montrer qu'il y a vraiment zéro fake et que j'ai bien nagé tout le long, je vous mets toute la vidéo en accéléré avec un petit peu de musique. Parce que sinon, il y en a qui vont crier au fake, etc. Donc du coup, je suis mort parce que j'ai été déshydraté, parce que j'ai oublié de désactiver mon mode et je peux pas le désactiver en plein jeu. Il faut que je désinstalle le mode directement. Donc du coup, encore une nouvelle fois, après, je vais remourir. Je reviendrai encore une nouvelle fois au même endroit de là où je suis mort. Et du coup, bah, on reprendra la course, enfin notre petit challenge, là où il s'est arrêté. Je fais start et je vous montre rapidement où est-ce qu'on est. Voilà, on est ici et on est parti de là et on a fait tout ça en l'espace de 30 minutes. Ça fait un beau petit bout de chemin, on va pas se le cacher. Mais comme je l'ai dit, ça fait très 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 mal aux doigts, surtout quand vous spammez comme un fou furieux pour aller le plus vite possible pour que votre personnage nage très très rapidement. Du coup, on se retrouve dans 10 minutes, hein, une fois que j'aurai atteint les 40 minutes. J'espère au moins avoir... Donc ça fait actuellement 40 minutes que je suis en train de nager. Et j'en vois même pas le bout, quoi. Je suis même pas en train de redescendre, je suis encore en train de monter au bout de 40 minutes de nage intensif. J'ai plus que mal aux doigts. J'ai même demandé à Cassandra, donc ma copine, de le faire à ma place, sauf que bah, elle a dit non, tu te démerdes. J'ai mal aux doigts, les gars, j'ai mal aux doigts, ça fait 40 minutes que j'appuie sur ce bouton, j'ai mal, très très mal, mais je n'abandonne pas puisque je vais aller au bout. J'ai envie de savoir combien de temps il faut exactement pour faire le tour de la map à la nage. Si jamais Rockstar nous fait un interrogatoire et qu'il nous offre des charcards dans un concours et il nous demande combien de temps faut-il pour faire le tour de la carte à la nage, et bah au moins vous aurez la réponse à la question. Vous aurez peut-être la chance de gagner des charcards offerts par Rockstar. Bien évidemment, on peut toujours rêver, mais c'est une hypothèse qui peut bien évidemment arriver. Donc voilà, donc j'en suis exactement ici. On est arrivé au pic, on va redescendre bientôt. Donc on est au pic là, on va bientôt redescendre. Et on a encore un petit bout de chemin au bout de 40 minutes. Mais bon, c'est pas grave, je continue à être motivé. Je le fais pour vous. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, de lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Et on est reparti pour appuyer sur ce bouton. Regardez, je vous le fais entendre en plus que j'appuie sur ce bouton. Ça fait très très mal aux doigts. Aïe, 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 ça fait mal. Nage, Michael. Une heure que je suis en train de nager depuis la fête foraine de Los Santos jusque là où je suis, c'est à dire un tout petit peu après le phare qui se situe tout au nord. Donc je suis actuellement ici, on est parti de la fête foraine et on est déjà à une heure. On a fait plus de la moitié du parcours et on continue. Je suis toujours motivé comme d'habitude. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir pour cet effort vraiment physique intense pour mon pouce. Il a vraiment extrêmement mal. Et voilà, c'est tout. Ça fait donc 1h20 que je suis actuellement en train de nager et je suis presque arrivé en bas de Los Santos, presque arrivé au terminal des cargaisons. Ensuite, il me restera plus qu'à aller à l'aéroport. Et une fois à l'aéroport, ce sera la dernière ligne droite pour aller jusqu'à la fête foraine. Ça fait 1h20 que j'appuie sur ce bouton croix, X, tout ce que vous voulez. Ça fait mal aux doigts. J'ai très, très, très mal aux doigts. Je conseille à personne de faire le test que je viens de faire. Faut vraiment être con et vraiment être fou pour se dire que je vais nager autant pour pouvoir réaliser une simple vidéo. Et bah voilà quoi. Il y a mon requin qui me suit depuis tout à l'heure. J'ai un petit ami, je l'ai appelé Roger. Voilà, tout simplement, c'est mon petit pote Roger. Il me suit depuis tout à l'heure, c'est un petit requin blanc. Voilà, tranquillement, j'en ai fait mon copain. Il fait le tour du monde, fait le tour de Los Santos à la nage avec moi. Et franchement, c'est super cool. C'est super sympa de sa part. Et voilà, 1h20 les amis. À mon avis, on va atteindre presque les 2h à la fin de la course. C'est-à-dire que ça aura fait 2h que je suis sur ce foutu jeu en train de nager comme un con pour rien. C'est excellent, je l'adore, mais je continue à être motivé, rien que pour vous, parce que je trouve ça très intéressant de savoir combien de temps faut-il pour faire le tour de Los Santos à la nage. On continue, c'est parti. Ça fait donc plus d'1h30 que je suis actuellement en train de nager et on voit enfin le terminal de cargaison de Los Santos. Donc on est vraiment très très au sud de la map. Après, il restera plus qu'à voir l'aéroport international et la dernière ligne droite qui sera bien évidemment la fête foraine. Ça y est les amis, on a enfin fait le tour de la map en nageant.
Allez Michael, encore quelques coups de bras. Allez Michael, tu peux le faire. Allez, j'ai mal au pouce, j'ai mal, ça fait mal. Pour vous dire, j'ai commencé à nager, il était aux alentours de 15h30. Je vous dis pas exactement quelle heure il est actuellement, je vous le dirai juste après. Mais ça fait un très très long moment que je suis dessus. Je pense vraiment pas que je vais faire comme je l'avais dit au début de la vidéo, c'est-à-dire que j'allais passer tous les moments où je nageais en accéléré, puisque la vidéo va être beaucoup trop longue. Même en accélérant, à mon avis, elle va durer 30 minutes et me voir nager pendant 30 minutes, c'est pas très intéressant. On va pas se le cacher. Du coup, je vais seulement vous mettre les passages où j'ai plus ou moins parlé, en vous indiquant un petit peu près l'heure à laquelle j'étais en fonction de l'endroit où j'étais. Et du coup, nous sommes arrivés. Michael, tu as réussi le défi de faire le tour de la map à la nage. C'était extrêmement long et je mets fin au compte à rebours une fois qu'on aura atteint le dernier pilier, puisque je vous rappelle qu'on avait sauté de la plateforme juste à droite. Allez, quelques petits coups, Michael, tu peux le faire, vas-y, touche et hop, touche. On arrête le chrono. Alors là, dans l'espace commentaire, vous allez me dire à votre avis combien de temps j'ai mis pour faire le tour de la map en nageant, sachant que je suis parti ici. J'ai fait tout ça, je suis mort une première fois ici, je suis mort une deuxième fois ici, je suis mort une troisième fois ici, une quatrième fois juste ici, une cinquième fois à l'aéroport pour enfin finir le sprint final qui était jusque là. Et du coup, le temps exact est de 1h54 minutes et 20 secondes et 22 millièmes de seconde pour pouvoir faire le tour de la map de Los Santos à la nage. Alors bien évidemment, si vous vous le faites, on va prendre une moyenne, on va dire qu'il faut à peu près 1h50 pour pouvoir faire le tour de la map à la nage, puisque vous allez peut-être pas forcément passer au même endroit que moi. Moi je suis mort, même si j'ai arrêté le chrono au moment où je suis mort, etc. Enfin bref, il y a plein de choses en fonction de là où vous allez passer, si vous esquivez les rochers ou si vous passez en plein dedans, etc. Quoi qu'il en soit, il faut environ 1h50 pour pouvoir faire le tour de la map de Los Santos à la nage. Je compte vraiment sur vous pour que vous puissiez exploser la barre des likes. Ça me ferait extrêmement plaisir pour ce test, ce qui est le test le plus long que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube et de toute ma vie. Je vous déconseille de faire ce test puisque ça fait extrêmement mal à la main, ça fait mal au pouce, ça fait mal à tous les doigts de votre main. Vous pouvez même avoir des crampes. Après, si vous avez envie de dépenser un petit peu de calories, bah voilà, vous faites ça pendant 2 heures. Mais entre nous, tout seul, c'est pas trop cool. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous bombardez les likes, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère vous avoir appris quelque chose sur cette vidéo. C'était Virtuose et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.